tu as le cochon. Banouki Philippe. Abala Balas. Banouki Philippe. Abala Balas. Banouki Philippe. Abala Balas. Banouki Philippe. Abala ton cochon. Chotia. Arabe fini. Arabe fini. Pour annoncer pays. Tabou la rase. Arabe fini. Annoncer pays. Tabou la rase. Nous pas dans ni koni ni crée présidentiel. Gari kon ni pas ka aller pour quitter crée gang ça là. Gari kon nous pas ka aller pour quitter groupe assassin ça là. Et pour aller avec toute crée gang qui est le CPA. Jodi a bataille la carré. Bataille la carré. Bataille la carré. Bataille la carré. Opération Maré assassin. Opération Maré assassin. Opération Opération déchouquer CP. Opération déchouquer CP. Bataille la carré. Je dis à Gary Bacalé, pour quitter l'assassin, ça on a fini nous. Je dis à Peuple Amandé, 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 bataille à carré. Non, 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 mais il va y cacher l'ombrique. Gary Koni Bacalé, pour quitter le groupe gang ça dans notre pays. Jamais, jamais, sans reflète. Gari koni pa ka ale pou ki te kreye gang ni an an tet peyi a. Wè pa wè, revolisyon, wè pa wè. Wè pa wè, wè pa wè. Wè pa wè, wè pa wè. Jodi a mapande pe ba isè. Ou menm ki gen ti moun l'ekol kebe la kay. Ou menm ki gen ti moun nou pou voye l'ekol kebe la. Kebe ti moun yo. Pou gang pa arrive viktim ti moun yo kebe yo la kay nou. Pase jodi a, goun goup gang ki nan tet peyi a. Ki ele kreye pou présidentiel. Trois braqués. Trois volés. Trois assassins. Premier chef gang pays à connaître les Louis Gérald. Gilles. Premier chef gang dans les Louis Gérald. Gilles. Premier chef gang dans les Louis Gérald. Gilles. Emmanuel Vertilé. Deuxième chef gang. Deuxième chef gang dans les Emmanuel Vertilé. Troisième chef gang dans les Smith Augustin. Volé. Gérald Gilles, volé. Gérald Gilles, volé. Smith Augustin, volé. Vertilé, volé. Gérald Gilles, volé. Smith Augustin, 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 volé. Gérald Gilles, volé. Toi assassin, toi kidnappé, toi volé, toi braquette zam, sous directeur BNC. Je dis à yon résolution. Ni résolution, ni pas résolution, ni pas te connaître yon. Nous pas te connaître yon. Et pas pour nous pas résolution. Gari koni te vin na el alos kap alos. Gari koni te vin na el patre jeune peuple là. Est-ce que peuple kakampa Gari koni là? Non. C'est pas pour peuple Gari koni ta bataille. Yo tout bon groupe gang derrière yo. Yo tout bon groupe assassin derrière yo. Bataille la ca! Bataille la ca! Peuple, ma pote chante en haïtien. Moment arrivé. Pagé, n'a pas de cacher l'ombre. Nous prenons le placer Guy Philippe dans le palais nation. Nous prenons le placer Guy Philippe dans le palais nation. L'est arrivé. L'est arrivé, palais national, tête droite. L'est arrivé. Palais national. Palais national. Palais national. Palais national, palais national, palais national, palais national, palais national, palais national. M'a demandé tout quartier populaire, mettez-nous dehors. M'a demandé tout nèg de quartier populaire, tout ghetto, mettez-nous dehors pour aller installer Guy Philippe. M'a demandé tout peuple haïtien, mettez-nous dehors. L'est arrivé, l'est arrivé,
Un seul bagaille. M'a demandé Gérald Gilles préparer minute pour aller prendre minute là-dessus maintenant. M'a demandé Emmanuel Vertilet préparer code nous pour code. Spit Augustin préparer code nous. Je dis à ces 9 assassins, 9 kidnappés, 9 dealers drogue qui met tête ensemble pour dilapider nos pays, pour assassiner nos peuples, pour massacrer nos peuples. Ah mais je dis à peuple prend des sénateurs et nous allons le placer sénateur Guy Philippe dans Palais National. Nous allons le placer Guy Philippe dans Palais National. Nous allons le placer Guy Philippe dans Palais National. Son façon pour nous dire assassin, on ne peut pas prendre pression. Son façon pour nous dire kidnapper, on ne peut pas prendre pression. Moment arrivé pour Haïti délibéré. Moment arrivé pour Haïti stabilité. Moment arrivé pour petit peuple à vivre. Je dis à ce Guy Philippe. Nous demandons, what are we? Guy Philippe, tête droite. 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 Ah ben tout ça c'est Guy Philippe nous voulait. Amen. Non, je suis cap vin na yo. Nous pas bon lait. Nous pas bon date là. Installé Guy Philippe. Nous pas les national. Il a pas les tout ghetto yo. Levez campé. Tout ghetto yo. Levez campé. Tout quartier populaire yo. Tout ghetto yo. Tout quartier populaire yo. Tout ghetto yo. Tout quartier populaire yo. Installation Guy Philippe. Qui a pris avec décision que CPT a pris pour l'équipe ministre de l'économie.
Donc, est-ce que selon vous-même, c'est une décision qui est légale, puisque non, les premiers qui ont adressé avec la presse nationale, il t'a fait comprendre que il a décidé de voler après 3 avril. Ok. Mon cher, actuellement, là, m'a fait un master dans l'université Paris 8 en France. C'est dit, ouais, m'a étudié système administratif français. Nous-mêmes en Haïti, nous avons des ordres. C'est-à-dire, on décision que le cours des comptes rend au cas exercé un pouvoir en cassation contre nous. C'est-à-dire, nous avons des ordres juridictionnels. En France, il y a deux ordres, un ordre juridictionnel administratif, un ordre juridictionnel judiciaire. C'est-à-dire, dossier justice, rete justice, dossier administratif, rete administratif. Nous devons faire une réflexion. Moi, je dis tellement comme avocat, décision CPTA, qui ça lie? Est-ce que son décision administrative ou bien son décision judiciaire? Parce que je suis et intervention qui a été intervention qui est placée, oui. Est placée, oui. Je ne suis pas contre si je suis dans le droit constitutionnel, je ne suis pas contre si je suis dans le droit administratif, je ne suis pas contre si je suis dans le droit judiciaire. Je ne suis pas contre ça. Parce que, normalement, décret, bien, ça que tu mets CPTA. Ok? Pas bien que décret ça, moi-même comme avocat, je te dis que c'est inconstitutionnel. Parce que je suis un monde qui est allé dans la question logique cassation. Parce que ça, parce que j'étais à la recherche d'une certaine légitimité constitutionnelle. Et non, ça y est là, là. C'est-à-dire qu'on a absence de texte, nous mélanger. Tout ça qui a fait aucun rapport avec la loi. Tout n'a pas aucun rapport avec la loi. Maintenant, la résolution, qu'est-ce qu'une résolution? C'est une décision qui n'a pas valeur contraignante. En résolution, on ne peut pas forcément une résolution. Mais par contre, sur le plan politique, les vignes fausses. Vous n'avez pas fait politique, vous n'avez pas quitté le droit d'air. Moi, je comprends, non? Elle dit politique mélange à droit. Comme politique, c'est rapport de force, vous n'avez pas fait politique là, vous avez manivelle politique dans le même, vous avez bras politique, vous avez bras administration dans le même, et ça fait leur résolution, vous assurez que vous exécutez. Mais par contre, si Gary Conné a fait action en annulation de cette résolution, on parle comme ça. Il te gagne raison. Parce que les deux, président, pas qu'à destituer un premier ministre, c'est le Parlement qui a destitué. Et ils ont même été arrêtés. Ils ont dit, mais qui le, ils ont destitué le ministre? C'est le OCAG là. Organe de contrôle de l'action gouvernementale, constaté qu'on déficit de résultats. Nous gardons match à total. Nous avons des ordres total. Donc pour moi, là, ce n'est pas le droit qui a triomphé là, c'est la politique. Donc flou. Donc, il n'y a pas vraiment de solution juridique parce que tout ça qui fait toi qui a mis la question. Moi, pour mettre Bernard Rousse qui défendait Gary Conné, il dit c'est l'illégalité pure et simple. Donc, moi, il dit même Bernard Rousse, où tu connais tout ça que tu as fait depuis, et pas prendre de révoquer Gary Conné l'illégal. C'est depuis les démarches que tu as faites. L'inconstitutionnel, il ne faut pas entrer la donne. Il y a le fait qu'on entre la donne, il n'y a pas plein de gens. On a le bon bout pas plein, le pas bon bout plein. Donc moi je pense que tout problème ça yo permet nous comme avocat réfléchir. Gon absence de texte, le fait que gon désordre juridictionnel, on pas comme qui bon, on pas comme qui nature pour ka bailler résolution. Si son acte administratif, Gary Conné par le bel avocat ka font recours pour demander annulation acte là. Si son acte politique ou bien si son acte on pas connait et qui c'est rapport de force qui fait, donc comme c'est rapport de force en politique, donc il est passé. Mais par contre, si tu as un conseil constitutionnel ou bien cour constitutionnel, le débattant de pouvoir, c'est la cour qui décide. Comme pas un cour, nous faisons ça nous voulons et puis continuer. Nous comprenons que moi-même, comme avocat, position, c'est toujours des positions politico-juridiques. Pour qui ça me dit ça? Il y a un temps, on a arrêté un temps sorti, et il y a un temps désigné un autre PM, un autre Premier ministre. Mais c'est sûr que après, tout leader politique, c'est même lui-même qui va l'offrir surface. C'est-à-dire, même les gens qui ont désigné CBT, membres dans CBT, c'est-à-dire, après là, il y a un ensemble de monde, vous mettez un ensemble de monde qui n'ont pas jamais approché vers eux-mêmes. C'est-à-dire, ou pas approché vers militants des droits humains, ou pas approché vers avocats. Qui ont expérience dans la question justice dans le pays pour former le gouvernement. Et nous disons, et nous ne parlons pas avec deux, trois mon off-mic là, donc ingénieur Steve Voltaire, son que nous connaissons bien,
Donc, c'est les cap du CPT. Mais cependant, bon message que nous avons placé nous-mêmes comme structure d'avocat, comme structure d'intellectuel, pour nous dire, tu as des choix politiques, ou des choix monde qui peuvent faire pour, qui peuvent faire partie du prochain gouvernement, ni pas supposer un bagage discriminatoire. Tu as dit, il faut que tout le monde impliqué, qu'il y ait de gros avocats qui ont fait gros mini-justice. Il y a juste des gens qui ont fait gros mini-justice. Il y a Théophane Iswit qui ont fait gros mini-justice. Pour qui ça, c'est même moi qui est à la caillou, qui ne parle pas, je vais intégrer pour voir ça. Pour qui ça a déagi ou bien pour qui ça l'autre côté, il n'y a pas intégré des gens qui expérimentent. On n'est qui pas jamais au tribunal. On n'est qui pas jamais dans la prison. On n'est qui pas jamais visiter prisonnier. On n'est qui pas jamais faire plaidoyer. On n'est qui est l'autre bord qui est en France, qui a écrit des doctorats, des thèses. Ça qu'on a militant, ça qu'on a expérience justice pays. Qui peut le gagner? On n'est qui pas mal quoi des bouquets. Est-ce qu'on est qui est en France, qui pas jamais prendre senti prisonnier ou quoi des bouquets? Qui ça qu'on est? Comment pas faire confronter problème justice? Donc moi je pense que moi lance un message ça pour me dire, écoutez, l'extrêmement important, nous-mêmes comme avocats, nous sommes d'accord parce que nous-mêmes nous faisons partie de la société. Il y a de bons avocats dans la commune d'Elma, il y a de bons avocats dans le Port-au-Prince, il y a de bons avocats qui militent, qui expérimentent, qui blanchissent sous leur nez, qui maîtrisent le problème justice. Vous voyez, il y a maître Paul Léonceville, un gros commissaire gouvernement, qui a un gros ministre de justice contre le pays. Donc, c'est pas arrêté, Chita. Choisi de monde n'a fait plaisir sous question de ministère régalien. Nous même comme avocat nous dit nous mandé pour dans prochain gouvernement ça pour yo procher pour aborder des monde qui expérimenté qui connent problème pays pour comme le système là pour mieux appréhender problème là problème question détention pour les boulangers problème question tribunal qui va fonctionner son beau avocat nous avons le respect pour lui on très sage. Mais ça, il faut comprendre. Ça dit, là, difficile, ok. Pour être bon cuisinier, pour être chef cuisine, il faut le souterrain, il faut le cuisiner, il faut le différer, il faut le bouler, il faut le prendre pour le il faut le maîtriser tout le bagaille pour devenir bon chef cuisine. Moi, je comprends, non? On n'est pas un ancien bon chef cuisine, il y a vrai. Pour que ça me semble tout, pour être mini justice, alors, vous connaissez son poste technique tout parce que vous n'êtes pas obligé d'avocat pour ministre de justice tout. Vous avez un exemple Paul Denis qui est fort. Mais, dans sa vie, il y a des problèmes, son équipe vous connaît pour faire. Moi, je dis, non, je dis, je n'ai pas une idée de monde, mais ce bonhomme, je on est qui va jamais aller en prison, qui a pris un état prisonnier, qui va aller dans la sortie, comment on va faire venir un bon ministre de justice? On est qui va jamais arriver quoi des bouquets là, parce qu'il y a qui va arriver là. Pour un qui est à moins de jour, on commis parquet, dossier sans si parquet ne va les accalibrer. Tu dis souvent qu'on problème ça, comment on peut faire aborder le problème ça le ministre? C'est là qu'il y a ou les machines ou pour un bon vent. Et maintenant? T'as le oui, moment fini. Imagine un nègre qui va consacrer les visiter sans cancer à lui, pour le apprendre, bon sans senti, sans matière fécale qui a battu. Comment on peut faire attaquer le problème? Ce n'est pas moi qui dis je vais combattre la détention pour un petit congé. Mais ça me le dit, il y a deux avocats là, m'bon de nom. M. Paul Léonceville, M. Théophile Iswit, M. Justel Jean. Gwe qui bon avocat ka terre là, ka fait bon ministre. Ça dit qui ça a besoin des résultats. Il y a deux passés là déjà. M. Prophète passé, qui ça a voté? Nothing. M. Carlos Sécule, là, bon, on connaît une bonne réserve, une bonne forme, modérée parce que nous respect pour lui. Mais cependant, résultat. Nous-mêmes, nous disons, nous avons fait pays, nous choix, le gouvernement a fait. Il faut tenir compte des jeunes, des expérimentés, des militants, des avocats blanchis sous le harnais. Ça veut dire qu'il y a un donné dans le bagage. Pour y'a pas de résultat dans le tête du ministère. Ça dit, pas chit à la carte. Vous connaissez qui est ministre à San François? Et puis, il dit, point de rentrer. Merci beaucoup.